Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous revoilà en binôme. Alors pour cette vidéo, on va faire un abri, mais pas un abri de fortune. Hein. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment fabriquer un abri rapidement. Et là, avec Pascal, ça va être un abri pour l'hiver. Alors l'avantage de l'abri qu'on va vous présenter, c'est que voilà, ça va être un abri cheap. C'est-à-dire que on va se servir de deux ou trois bâches. Bon, là, on est deux, donc il y aura peut-être trois bâches, et c'est pas sûr, de la paracorde et de couverture de secours. Non seulement c'est léger et en plus de ça, bon, c'est facile à transporter et pas cher du tout. La particularité de cet abri, c'est qu'il va être conçu normalement pour tout un hiver. Évidemment, on ne va pas y passer tout l'hiver, mais ça sera une démonstration. Et Pascal, là, il nous a concocté une technique. Voilà, donc c'est un abri que j'ai appris moi en 1987, quand j'ai fait mon stage commando à JV, donc il faisait moins 22. Donc c'est un abri en fait qui est fait par les forces spéciales. Donc c'est un abri qui va être conçu pour garder la chaleur à l'intérieur et à la fois pour pouvoir cuisiner, pour faire chauffer, bouillir de l'eau chaude, se faire une petite soupe, ce qu'on a sous la main quoi. Donc normalement cette nuit? Cette nuit on doit avoir chaud. On sait que là déjà, on croirait pas mais on est à 2 degrés, ah, il fait pas donc chaud, on est fin décembre. Hein, et ah. Donc cette nuit on va être en négatif, certainement à moins 7, moins 8, moins 10 degrés parce qu'on est quand même en pleine forêt. Logiquement, on devrait avoir entre 15 et 17 degrés à l'intérieur. Ça veut dire que ça va être du sauna. Donc, on va vous montrer tout ça en vidéo. À de suite. Encore un peu. Voilà. On va déjà essayer comme ça. Ouais. Pas. Oui, t'en veux bien. On va faire avec un petit bout de bois.
passer. Keep cool. Je peux vous assurer que pour l'instant, vraiment, on est bien, quoi. Là, il fait à peu près 1 degré, on est à 0,5, 1 degré. En tout cas, à l'extérieur, ici, à l'intérieur, je peux vous dire qu'il doit faire 24. Alors, c'est assez étonnant, parce que finalement, avec des couvertures de survie, 3, 2 bâches, beaucoup de travail, un foyer au milieu... avec qui est alimenté par un petit peu des combinés d'oxygène. Et pour l'instant, ça le fait. Voilà, les premières impressions. Et toi, Pascal? Ouais, effectivement, c'est super. En fait, c'est un foyer Dakota. Hein. Dakota, donc c'est des Indiens qui ont fait ça ça fait longtemps. Quoi. Donc on a une conduite de ventilé en dessous. Donc, on a mis les pierres dessus. Ça nous envoie l'oxygène et ça nous fait brûler, ça fait brûler le bois doucement. Et puis on est bien, quoi. Voilà. C'est une chaleur douce et intense à la fois, quoi. Je pense qu'on va bien dormir. Hein. On va ouvrir la porte, il fait trop chaud. Oh. Oh là là. T'as chaud ou t'as froid? J'ai chaud, il fait trop chaud. Faut ouvrir les portes, comme je disais tout à l'heure. Sauf qu'on n'a pas de porte. On n'a pas de porte, mais il fait bon, là. Hein. Vous pouvez venir avec nous, là, il n'y a pas de souci. Waouh. Je voulais vous donner un peu les impressions, là. Il est 6h du matin. Ben, en fait, ben, la nuit s'est bien passée. Étonnamment... bien passé en fait, vraiment l'abri joue son rôle. Je peux vous dire qu'à l'extérieur on est en négatif, mais en revanche bah, les 6h, c'est à dire que le jour va se lever dans moins d'une heure. En revanche bah, le bois ça devrait le faire jusqu'au lever du soleil.
Voilà, cette nuit sous abri s'achève. C'est une des rares fois où j'ai pas eu froid du tout dans la nuit. Pour la petite anecdote, 2 bachelours, 3 couvertures de survie, c'est l'équivalent de, c'est à peu près 25 euros. Au final, on peut faire un abri pour l'hiver avec pas grand chose. Pensez à vous abonner, à liker, et n'hésitez pas à commenter. On se voit prochainement pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, bonheur simple. Portez-vous bien.